Aristeia est le plus haut niveau des sports de combat, l'évolution armée des Fight Club, une version moderne des combats de gladiateurs. Bien évidemment, à déconseiller aux personnes sensibles. Cette compétition est un spectacle médiatique qui glorifie l'esthétique de la violence. Les autorités sont conscientes de cela et autorisent ce sport à continuer car il offre une valve de sûreté cathartique aux pulsions agressives de la population. Aristeia octroie des blessures sérieuses et même la mort dans chacune de ses confrontations. C'est un sport très risqué, mais tout est calculé. Les équipes médicales sont là pour soigner les joueurs, et en fait, les morts ne sont pas si fréquentes. Les combattants, appelés Aristos, ont leur propre banque d'organes, clonés, pour pallier aux pires blessures. Du fait des thérapies nanogéniques qui rendent possible la récupération rapide, il y a très rarement des blessures irrémédiables. Les équipes médicales d'urgence de la Fédération d'Aristeia sont si douées qu'elles sont capables de regreffer une tête complètement tranchée, et ce avec très peu de dégâts neuraux. Et si tout échoue, eh bien les Aristos sont leurs cubes. Et pour les plus prestigieux d'entre eux, des losts, de nouveaux corps dans lesquels ressusciter. À Aristeia, les dieux à la mort sont rares, mais il y en a quelques-uns, avec des clauses de parachute dorées, utilisant des flous juridiques pour protéger les participants. Dans un duel à mort, le décès d'un des combattants est considéré légalement comme un suicide, où l'opposant est juste l'arme homicide, et est donc libre de toute poursuite légale. Les plus grands événements d'Aristeia sont les Ordalies, des combats singuliers entre les plus grands champions de ce sport. Les Ordalies sont les événements sportifs de la saison. La société s'arrête quand l'une d'elles a lieu. Avec les Ordalies, le spectacle est assuré. Les scénarios sont plus surprenants, avancés et luxueux. La tension est plus électrique et les émotions plus intenses. Et du fait des attentes qu'elles provoquent chez le public, les Ordalies sont de véritables usines à fric pour les investisseurs. Car oui, c'est une évidence, Aristeia brasse beaucoup d'argent. Les canaux de Maya paient de vraies fortunes pour être autorisés à diffuser les combats. Les entreprises manufacturières d'armes et d'équipements de protection, sportives ou militaires, luttent pour des contrats publicitaires avec les principales stars. Les corporations pharmaceutiques ont des groupes de recherche spécifiques pour ce sport, qui se font de la publicité lors des commentaires et des analyses diffusées dans les programmes parallèles, traitant de la préparation et de la récupération des combattants. Cependant, les dépenses sont aussi énormes. Les promoteurs doivent parier et investir de grosses quantités d'argent pour préparer, entraîner et équiper leurs stars potentielles. Il faut aussi prévoir un budget marketing, et bien évidemment, payer les traitements de soins coûteux qui ne manqueront pas d'apparaître sur la facture. C'est officiellement pour couvrir ces dépenses que les promoteurs prennent 60% des profits nets générés par leurs protégés. Néanmoins, pour le grand public, les promoteurs ne sont rien de plus que des noms qui apparaissent avant le spectacle. Pour le spectateur, les protagonistes sont les Aristos, et surtout, les Bahadur, les champions. Ces stars d'Aristeia sont de vraies idoles médiatiques, avec des foules de suivants excités qui acclament chaque frappe, chaque combat, chaque événement significatif de leur carrière. Les Aristos sont encastrés dans la gloire de l'héroïsme, dans le sang répandu, dans la passion du combat, et dans l'exaltation des idéaux qu'ils incarnent. Au-delà de l'arène de combat, ils sont les vedettes de campagnes publicitaires, de Maya Tales, de séries téléchargeables en ligne. Du fait de leur statut médiatique, ils doivent faire aussi attention à leur image qu'à leur carrière, par exemple en soutenant quelques œuvres caritatives, ou bien en transmettant des messages positifs, de vie saine, de sport et d'affirmation de soi chez les jeunes. D'autres, au contraire, avec des messages plus sombres, sont les héros les plus cyniques et désenchantés des masses. Le poids social et l'importance d'Aristeia peuvent être appréciés dans beaucoup d'autres secteurs de la vie quotidienne, comme la musique ou le design, qui s'inspirent de ce sport et de ses stars pour faire leur propre création. Chaque utilisateur de Maya, ce qui revient à dire chaque citoyen de la sphère, sait quelque chose sur ce sport. Que vous l'aimiez ou non, Aristeia est le sport roi de notre époque, et son influence est présente en chacun de nous.